Et nous voilà sur The Legend of Zelda Link Awakening de la Nintendo Switch. C'est parti. Alors, oui, nouvelle partie. Mode normal, très bien. Entrée à nom, on va laisser Link. Ouais, c'est bien Link. Ah, il revient à lui. Enfin, j'ai cru que tu n'allais jamais te réveiller. Tu devais cauchemarder. Quoi? Zelda? Tu dois être encore patraque. Je m'appelle Marine. Tu te trouves sur l'île Cocolin. Alors, je peux bouger. Oh, c'est bien fait. Parler. Ah, un petit zoom. Sur le chemin vers le sud. Suis le chemin vers le sud et tu arriveras sur la plage où je t'ai trouvé. Mais sois prudent. Depuis que tu as échoué ici, des monstres terribles rôdent. Ah, on peut soulever. Non, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas soulever ça. C'est trop lourd. Si seulement vous aviez plus de force. Alors Link, c'est Tarquin. Alors Link, t'es réveillé? Je m'appelle Tarquin. Tu te sens mieux? Quoi? Comment je sais ton nom? Ben, c'est gravé sur ce bouclier. D'ailleurs, il est à toi. Je te le rends. Vous avez récupéré votre bouclier. Maintenez R enfoncé pour le lever et repousser vos ennemis. Yes! Il a la classe, hein? Examinez. On dirait qu'on peut placer quelque chose sur le socle. Il est écrit plante pirada. On est dans Mario ou dans Zelda là? Bon, il n'y a rien d'autre. Donc elle m'a dit d'aller sur la plage. Oh, c'est joli. Village des mouettes. Moi j'ai mon petit bouclier. Ah c'est propre. Ah il y a un petit effet fou ouais, autour de l'écran. D'accord. Ouais, la poule. Ah je peux la soulever. Petite mamie. Mamie youpi. J'ai la pêche. Et toi? Ah un chon. Examiner. Étang. Oh. C'est quoi ici? Alors parlez, Madame Miaou Miaou. Oh oh oh, mon toutou est si fier de son pelage. Ah, ça me dit quelque chose avec le chien. Parlez. Waf 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 waf. N'importe quoi. Il y en a un à côté, j'ai vu. Ça doit être ici. Waf waf, je suis Kai Kai, très branché. J'aimerais avoir des accessoires à la mode. Ah, faudra lui ramener des choses à lui. Bon, ah, peut-être que j'aille à la plage, moi. C'est qui, Tam Tam, vous pouvez regarder la carte de l'île en appuyant sur moins. Et puis, vous pouvez y placer des balises avec A. Et aussi, vous remémorer des souvenirs avec X. Oh. Après, je ne sais pas trop, car je ne suis qu'un gosse. Ah oui, inventaire. Option, et la carte. Oh. Souvenir. D'accord. Et toi? Un petit tam tam. Et toi? Ah si, tom tom. Les grands disent que quand vos cœurs diminuent trop, il faut aller voir une grande fée. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis trop petit. Et ici, c'est quoi donc? Ah, la bibliothèque. Ah bah, c'est là où ils vont nous dire apprendre tous les trucs. Comment bien assigner ces objets? Vous voulez lire ce livre? En ouvrant votre inventaire, avec plus, vous pouvez voir les objets que vous possédez. Assignez ceux de votre choix à X et Y.
tous ces objets vous serviront au cours de votre aventure. Alors, essayez-les tous. L'écran de cartes et ses secrets. Appuyez sur moins pour accéder à l'écran de la carte de l'île. Vous pouvez zoomer avec R. Les endroits que vous n'avez pas encore visités sont dessinés grossièrement sur la carte. Marquez votre prochaine destination ou les endroits où vous voudrez revenir plus tard en plaçant des balises avec A. En appuyant sur X, vous accédez à l'écran des souvenirs où vous pourrez vous remémorer votre aventure. Ainsi, vous n'aurez pas à tout noter. Pratique, non? Ah, c'est pas comme avant, ça. Ah, celui-là, là, faudra sûrement l'examiner, mais on peut pas. C'est une bibliothèque. Comment? Vous aviez remarqué? Ok. Ça fera sûrement avec les bottes de Pégase ou courir vite, je sais pas. Le faire tomber, lui. Tout sur l'attaque circulaire. Allez, on va le lire. Il existe une technique secrète à l'épée qui s'est transmise qu'entre membres d'une certaine famille. Elle consiste à maintenir donc B enfoncé pour charger son attaque au maximum puis relâcher le bouton. Surveillez-vous la maîtriser. De la bonne utilisation d'un bouclier. En maintenant R enfoncé, vous pouvez parer les attaques et repousser les ennemis. On raconte également qu'il existe un bouclier reflet, d'accord, permettant de renvoyer les rayons. Atlas des Cocolint. Les noms de toutes les régions de l'île sont inscrits. D'accord. Je pense que le dernier, je sais pas si je vais pouvoir le lire. Il est différent des autres. La loi de la téléportation, carrément. Il existe sur cette île des points de téléportation. Vous pouvez vous en servir pour vous déplacer d'un point de l'autre de la carte. Toutefois, il est impossible de se téléporter vers un point de téléportation que vous n'avez encore jamais foulé du pied, c'est sûr. Les bombes, truc et astuce. Placez-vous devant une bombe que vous avez posée et appuyez sur A pour la soulever. Appuyez de nouveau sur A pour jeter la bombe. Et le fameux alors, livre des mystères. On veut lire, oui. Mais qu'est-ce que... Y a rien. Impossible de lire ce livre. Sans A, il faut une loupe. D'accord. On peut... Où peut-on en trouver une? Il suffit de venir en aide aux gens. Bon, j'ai appris quelques petites choses ici. Alors, est-ce que je peux aller à la plage? Alors, c'est quoi? C'est ça, hein. Je vais savoir si je le pars. Ça permet pas de le renvoyer. Ah, à la plage. Est-ce que c'est par ici ou encore plus bas? Dommage. Ah oui, un demi-cœur, ça m'a enlevé. Oh là là, attention à eux. Ah, là je peux pas. Et là je peux pas. Oh là là là, lui il va me rattraper. Lui. Ça doit pas être par ici. Je peux pas soulever ça, ah bah dis donc. Ici on peut rien faire. Il peut pas avancer lui. Bah moi je voudrais avancer. Eh ben dis donc. Bon déjà, je peux avoir, va falloir que je remette de la vie moi. Je peux pas soulever même ça. Attends, même dans le premier Zelda, on pouvait au moins soulever ça. Là on peut. Je peux pas nager. Ah, il y a une épée là. Je
bien. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Allez, ma petite épée. On va regagner des cœurs. Oh, un hibou. Cette épée est donc à toi. Je comprends mieux pourquoi les monstres s'agitent tant. Le héros, celui qui doit réveiller le poisson rêve, est arrivé. On dit que le héros ne pourra pas quitter l'île tant qu'il n'aura pas accompli sa mission. Viens me voir dans la forêt enchantée, au nord du village. Il faudra que j'aille au nord. Je t'y attendrai. D'accord. Je peux récupérer mon épée? Vous avez retrouvé votre épée. C'est la vôtre, car votre nom est inscrit dessus. Attaquez les ennemis qui se dressent sur votre route avec P. Ah, il donne pas de cœur. Voilà, yeah, je vais retrouver tous mes cœurs. Ah bah je peux couper ça maintenant. Yes. Oh, les rubis, les voilà. Oh, il y a une maison là. En tout cas, il est vraiment joli, il est propre. Hein. Crocodile. Aligo. Bienvenue chez Aligo Banane. Je m'appelle Aligo, je suis le gérant. Mon hobby, c'est de collectionner les boîtes de conserve. D'accord. Rare, en plus. Mon frère cadet est un artiste. Parti je ne sais où poursuivre sa carrière. Moi, je suis plus terre à terre. J'adore manger. D'accord, donc là, j'ai pas de boîte de conserve, mon gars. Donc, je repasserai. Plage coco. Oh, attends, un bleu. Ah, la musique, elle est bonne. Hein. Ah, ah, c'est ça. Ok. N'avance pas lui. Petit rebut bleu. Un petit vert. Rien de plus. Je vais retourner au village déjà. Oui. Alors là, il y a deux. Je pense que si je tombe, je tombe. C'est ça. Et ça m'enlève un demi-cœur. Ok. Vie. Oh, et un petit cœur, s'il vous plaît. Alors, juste avant, je voudrais au moins récupérer mon petit cœur. Là, ça serait bien. Ah, rien. C'est un petit peu vidé. Oh. Un gland de défense. Il réduit de moitié les dégâts infligés par les ennemis. Oh, c'est beau ça. Ouais, parce que je me suis encore fait toucher moi. Cette personne donne rien ici. Hein. Oh. Ah, faut une clé. D'accord. Ça, ça sera sûrement un château. Une forteresse, enfin quelque chose. Bon, faut que je retrouve des cœurs, moi. Ah bah, je peux monter par là. Les herbes là-haut. Oh bien, on peut les couper aussi. Bah voilà. Oh, un quart de cœur. Vous avez obtenu un fragment de cœur. Vous pouvez vérifier combien vous en avez en ouvrant votre inventaire avec plus. Ah ouais, on le voit pas là-haut. Un quart là-haut. Cool.
Ok. Village des mouettes, toujours. Donc là, c'est bon à savoir, c'est qui te redonne à chaque fois des cœurs. Forêt enchantée. Danger. Invasion de moblins. D'accord. Tu m'as dit d'aller dans le nord, hein. De toute façon, le forêt enchantée. Oh. Bienvenue dans la forêt enchantée, jeune héros de l'éveil. Apprends que la bien mystérieuse île de Cocolin n'existe sur aucune carte. Les règles qui la régissent diffèrent un peu de celles de l'endroit d'où tu viens. Mais sache que tu ne pourras pas la quitter tant que le poisson rêve, la divinité de l'île, dormira. À propos, as-tu aperçu la caverne Flagello située au sud du village? La clé permettant de l'ouvrir est cachée dans cette forêt. Trouve-la avant de t'y rendre. D'accord? Le poisson rêve te regarde. Ok. À moi. Oh. Bien joué. C'est bon. Un en deux coups. Bon, ça, je peux pas porter. Ah, attends, il y a deux chemins là. Non, ça revient. C'est bon. Ça, ça revient là. Je vois qu'il y a un chemin par là. Je l'ai eu. Attention au sol fissuré. Ne vous attardez pas dessus. D'accord. C'est qui est lui? Raton laveur espiègle. Je suis un raton laveur espiègle et j'aime pas du tout ce qui est poudreux. Hé hé, hey, tu vas te perdre dans la forêt. Hé hey, hé, bien fait. Forêt enchantée. Ah, il m'a remis. Je vais récupérer les diamants, moi, tant que je suis là. C'est quoi ce endroit? Non, mais c'est pas là où j'étais. Ok. Ah oui. Ah bah celui-là. Bon, je pourrais sûrement aller là alors. Donc attention, sol fissuré. Wow. Ah d'accord, c'est ça les sols fissurés. Ok. C'est ça, d'accord. Tu peux pousser ça? Ah ouais, d'accord. Je pense que je peux pas l'avoir, ça. Ah non, je peux pas soulever. C'est bien trop lourd. D'accord, c'est quand j'aurai les un gant de force ou quelque chose que je pourrais. D'accord. Oh, champignon. Vous ramassez un champignon, un arôme subtil éclate, exalte votre sens de l'odorat. D'accord. Ah là je peux pas passer. Oh il y a un méga coffre là. Ok, donc si je vais me faire toucher. Je reviens. Pas revenir en arrière, ça sert à rien. Non, t'es sûr que j'étais bloqué ou pas? Je vais revoir ça. Ah zut,
ils reviennent. Oh, c'est quoi ça? Un fragment de puissance. Oh là là, pas mal. Oh, ils sont en rouge maintenant. Ça, c'est bon ça. Ah, mais je peux pas passer. Hein. Non. Oh non, moi, je vais retourner là-bas. Ça se trouve, c'est le chemin en haut maintenant. On va essayer. Ah ouais, non, là, je serais obligé. De toute façon, je peux pas. Je peux. Donc, non, c'est pas maintenant. De toute façon, c'est pas dès le début du jeu que vous me donnez. Oh là. C'est bon. Ah zut. Comment il m'a touché lui. Ah zut. Oh je l'ai eu trop fort celui-là. Ça doit être par ici. Oh, lycée. Elle est jolie. Il va me faire des dessins de nuit. Je vois juste après, je vais regarder ce qu'il y a au-dessus. C'est là où j'étais tout à l'heure, ça, non? De fée. Tu me sembles être en pleine forme. Reviens me voir quand tu sentiras la fatigue s'emparer de toi. D'accord, elle remet les cœurs. Ok. Ça marche, madame. Quoi? Ah, ils enlèvent pas de vie. D'accord, ils me ralentissent, mais c'est tout. Ah, là, je peux pas passer, il y a un trou. Ah, c'est là où il y a le coffre. Bien joué. Ouais, j'ai déjà 80 rubis, moi. Oh, elle est pleine coco, là. D'accord. Ah, oh, lui, attention. Oula. Il faut là. Je peux pas passer, je peux pas... Chez Monique, la lunatique, la mare bobo. Attention. Oh, c'est quoi ça? Ah, un chemin, une grotte. Oh là là, il y a plein de choses ici. Ah, une sorcière. Sorcière. En voilà un beau champignon qui endort. Bon, je te le concocte, une mixture dardard. Ça y est, c'est prêt. Attention, il y en a peu. Si tu veux, tu peux l'essayer ici. Alors, vous avez obtenu de la poudre magique. Ouvrez votre inventaire avec plus que assignez-le. Ouais. X. Donc j'en ai 20. Ici, le manatique. Oh, très bien. Essaie donc d'en saupoudrer tes ennemis. Et surprise! Si tu es à court, il te suffit de me ramener un autre champignon de la forêt. Je t'en concocterai à nouveau. Si tu n'as pas de champignon, je peux aussi partager avec toi de la poudre que j'ai en réserve. Mais il t'en coûtera quelques rubis. Ouais, ça marche. Bien joué, madame. Soulever, soulever. Donc ça, je peux pas lire. Ok, c'est parti. Alors, pleine cocola. Faut que je reparte, passe le chemin à l'envers. C'est quoi ça? Ah, un Zora. Faut que je revienne à l'envers.
forêt enchantée. Bien joué. Quoi ? Défense. Là où j'étais. Oh. Il y en a combien là? J'ai... Ah mais attends, lui demandait quelque chose tout à l'heure. Je suis un raton laveur, nanana, je n'aime pas du tout la machin poudreuse. Bah attends, tiens. Bonhomme, trop fort. C'est un marchand, non? Tarquin. J'ai croqué dans un champignon et puis j'ai rêvé que j'étais devenu un raton laveur. Après, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais c'était plutôt rigolo. Parlez. Oh là 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 là, je me sens tout drôle. Je vais me reposer avant de rentrer. D'accord. Oh ok. Ah mais le vlas que je pouvais pas avoir tout à l'heure. Oh une clé. Vous avez obtenu la clé flagello. Ah mais c'est ça. Vous pouvez ouvrir la caverne. Ça c'est le hibou ça. Ouh ouh ouh. À présent rends-toi à la caverne flagello au sud du village. Une fois à l'intérieur, récupère l'instrument qui y repose. Le poisson rêve t'attend. Ouh, ouh. Trop fort. Donc là, faut que je retourne au village. Non, que je passe par le village pour aller... à la grotte flagello, là. Oh, comment je t'ai tué d'un coup, toi? Enfin non, une traite, tu veux dire. Village des mouettes. Je suis en full vie, j'ai pas besoin de descendre. Oh, il y a quelqu'un là-bas, non? Ah, c'est une poule. Tiens. Ouf, ouf, ouf. D'accord. Oh, ça c'est le téléphone. Il faut que j'aille là-bas, j'ai envie de... Trop fort examiner. Pépé le ramolo. Pépé le ramolo à l'appareil. Je sais tout de cette île. Si tu te perds, passe-moi un coup de fil. À propos, il y a une bibliothèque dans le village. Peut-être apportera-t-elle une réponse à tes questions. Salut. Clic. D'accord, ça c'est pour t'aider dans l'aventure, je pense. Ok, ça marche. Non. Alors, comment je vais mettre cette clé? Excusez-moi, excusez-moi, je passe, je passe, je passe. Ouais, je peux passer par là maintenant. Yes! Là, il n'y a pas de chemin. À la clé. Ouvrir. Yes, c'est ça. Oh là là, le bruit. Oh, ça a sauvegardé, j'ai vu en bas. Ah bah c'est cool si ça a sauvegardé. Parce que là, si je rentre... Caverne flagello. D'accord. Ah ben on le fera juste la prochaine fois donc. On va faire ça comme ça. Donc ça sauvegarder, hein, c'est bien ça. Il n'y a pas d'autres menus. Options. Sauvegarder, je préfère re-sauvegarder de moi-même. Ah ben c'est bon, ça l'a mis là. Ok. Sauvegarder. Parti.
Et on peut revenir au menu. Oh. Bon, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de Link Awakening. Bye tout le monde.